Et Yomina, j'espère que que vous allez bien. Moi, ça va tranquillou, tranquillou. Salut toi. Et on se retrouve pour une autre vidéo sur Dead by Daylight. Alors, je vais essayer d'enchaîner 2-3 parties différentes. On verra sur quoi on tombe. Hein. Pour l'instant, ok, toi tu me suis. Bah vas-y, suis-moi. Hein. Viens avec moi, viens avec. Mais viens avec moi. Viens. Voilà, viens, arrête de courir, ne cours pas. Enfin, tu peux courir, hein, je m'en fous, après ça t'es risqué, t'es risqué. Ah bah salut toi. Voilà. Ah bah c'est bon, elle va vers elle, ok. Donc, ouais, donc je lui dis, ça fait longtemps que j'ai pas lancé du... Salut toi. En fait, on se croise tous depuis tout à l'heure. C'est ouf. On s'est croisés en fait. Le tueur, c'est... Oh, c'est une spirit. Oh. J'ai cru voir une spirit, mais oui, j'ai bien vu une spirit. C'est bien une spirit. Mais oui, c'est bien une spirit. Ok. Tu t'es TP où, ma petite? Non? Elle se rapproche, elle est ici. Ok. Là, elle est en train de se TP à nouveau. Cette petite coquine qui se dit, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. J'ai envie de te dire, du côté des survivants, j'en ai marre de, hier soir, avant de faire cette vidéo, je me suis tapé des putains de tueurs qui campaient comme des tarés. Là, j'ai envie de me foutre un peu de leur gueule aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Quitte à les faire rage quitte, ce serait pas mal. Bon, quoique on gagnerait moins de points, mais le faire rage quitte serait intérieurement jouissif. Serait intérieurement jouissif. Mais bon. Comparé quand je jouais sur PC, j'ai fait plus rage quitte des joueurs PC que console. Je joue sur les deux plateformes pourtant. Mais sur PC, c'est plus simple de les faire rage quit, je trouve. Ou à moins que c'est vraiment de la pure chance d'avoir fait rage quit. Ah, c'est peut-être la pure chance. Est-ce qu'on met sur le dos de la chance? C'est ça en fait. Est-ce qu'on met sur le dos de la chance? Ok. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, on a besoin de la jouer discrètement, de péter le totem qui est là. Pour l'instant, le tueur n'est pas ici, donc j'ai envie de te dire, c'est Buenos. Il y a un gène donc qui a été fait. Même tranquille, hein. Le mec il l'a brain, il est venu à côté de nous, on a soigné, on a fait notre gène, on a fait notre vie. Hein. Clairement, j'ai envie de dire, on est très bon. On est dans le côté très très bon du jeu. Dans le côté très très bon. Alors, il y en a une qui s'est fait soulever, il y en a une qui s'est fait retomber par terre. Tu vas te faire accrocher où? Ok, tu t'es accroché là. Est-ce qu'il y a des chances que tu te... Ouais, elle va peut-être se TP ici. Non? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va camp? Est-ce que c'est une vilaine? Est-ce que la tueuse est une vilaine? Je n'espère pas. Allez, on te décroche. Non, elle est sérieuse là? Attends, elle revient. Instant sur les lieux du crime. Ceci n'est pas très intéressant. Ceci n'est pas très bien. Je vais péter ton totem. Comme ça, tu vas voir les boules. Je l'entends. Elle est où? Elle est où? On l'entend. Ok, elle le laisse par terre. Récup ma cocotte, récup ma cocotte.
À moins qu'elle te récupère juste derrière après parce qu'elle aura pété une palette. Bah, elle est où? Ah, elle est juste en face. La palette qui a mis une palette pour rien parce que s'est fait blesser. Si tu te fais blesser, pose pas la palette. Au pire, tu attends un petit peu, tu vois. Tu poses pas la palette instant. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. C'est la game de la facilité. Deux génies de fait. Bon, eux, ils se font dégommer assez facilement, par contre. Faites un petit peu gaffe. Ah non, quoique, c'en a un nouveau. C'est une autre personne, donc ça va. Elle revient ici, elle se TP. Ouais, ça, c'est pile poil la personne qui ne sait pas jouer. À peine elle a accroché la personne, elle se TP juste quelques secondes après pour dire... je vais tester pour voir si... Voilà, se re-TP. Bon, là, c'est normal. Mais là, avant, juste, ça s'est juste TP pour dire... je vais voir s'il y a toujours mon petit gibier accroché. C'est abusé. C'est abusé. Je conçois quand même que la spirit n'est pas quelque chose de très dur à jouer. Mais... oh, il n'y a pas de totem ici. Mais quand même. Bon, moi, la spirit, je la trouve pas spécialement dure. Hein. Je l'ai joué je sais pas combien de fois... Franchement, je pourrais limite jouer avec les pieds. Hein. C'est quand je jouerai vraiment à fond sur PC, parce que là, mon clavier bug. Donc, je joue sur PC manette. Mais quand j'aurai un plus gros PC et un clavier, enfin, que je serai de nouveau bien stuff niveau PC et tout, c'est là où je jouerai la nurse. Et vous verrez comme quoi ça va être quelque chose de bien... de bien ouf. On va mettre ça là en cas où. Voilà. Ok, elle est là-bas. Putain, vous arrivez pas à la faire rage quitte les mecs, hein. Essayez de la brain un truc de taré et essayez de la faire rage quitte, hein. Hein, si vous la faites rage quitte, franchement, ce serait juste tellement kiffant, je vous jure. Voilà, j'espère qu'elle se TP, hein, qu'elle reste pas sur place pour rien. Non, c'est TP. Donc je te décroche direct. Allez. On se met ici parce qu'il y a moyen qu'elle se re-TP. D'abord, dans quelques secondes, on va entendre le bruit de l'aspirateur. Oh. Elle doit être sur quelqu'un d'autre pour pas faire le bruit d'aspirateur. Elle doit être vraiment sur quelqu'un d'autre. Bon, j'aimerais bien continuer mon petit générateur, hein, de préférence, qui n'a pas été trouvé par le tueur, je crois, parce qu'elle a pas l'air d'avoir tapé dessus. Non. Ok. Bon, bah... oh, le chat dégage. Me fais pas fake click, s'il te plaît, le chat. Elle va me voir, elle va me voir. Oh, j'adore. Oh, j'adore le concept. Elle m'a pas vu. Non, le chat dégage, s'il te plaît. Putain de... oh, le chat d'enfoiré, merde. Elle va venir. Là, je l'ai fait péter exprès, c'est juste pour voir si elle s'y TP. Est-ce qu'elle se TP? Elle se TP. Donc c'est bon. La première fois, elle n'était pas fait exprès, mais la deuxième fois, oui. Oh! J'ai un petit coup de lag à ce moment-là. C'était pas très fameux. Pas très buenos. Non. Non. Non, dans le vide ça marche pas. Ah bah là non plus ça marche pas ma grosse. Elle a un petit coup de t-bag. T'as fait chier à te re-TP sur mes collègues. Alors si on se met accroupi, elle nous verra pas.
logiquement, elle ne voit pas. Oh, même pas le rage kit. Franchement, c'est pas drôle. Mais en tout cas, franchement, on gère bien. Donc, c'est tout ce qu'il faut, franchement. On va se soigner un peu. Sérieux? Bon. Je suis désolé pour la game d'avant. Bon, là, j'ai changé de costume, mais... Désolé pour la game d'avant. Le tueur à rage kit. Ça n'a pas été le rage kit le plus rapide, quand même, hein. Le rage kit, c'est quand il rage kit au bout de 2-3 minutes, tu vois. Là, c'est un rage kit rapide. On peut appeler ça un rage kit semi... Semi-rapide. Ok. Donc ça, ça va être un légion qui tout double. T'as le légion qui s'est joué... Enfin non, t'as 3 légions. T'as le légion qui s'est joué, qui va nous faire chier. T'as le légion qui s'est pas joué, mais qui va être... qui va jouer jusqu'au bout parce que c'est un bon joueur. Et il est fair play, il est tranquille. Ouh, t'as la troisième option, le légion grosse tapette. En gros, légion grosse tapette, c'est... Bah, il arrive pas à toucher quelqu'un, il arrive pas à mettre les gens en suture, il arrive à rien faire. Et ben, il va appuyer sur son bouton option et il va quitter la game. Voilà. Ça, c'est le légion grosse tapette. T'as légion balèze, t'as légion moyen et légion grosse tapette. Et sincèrement, je suis plus souvent tombé sur un légion 1 et 2... Et de temps en temps le 3, parce que le mec, bon bah, il n'arrivait pas du tout à gérer le pouvoir de la Légion. Ben, qui se sentait obligé de quitter la game. Je sais pas, quand tu joues un tueur, au moins joue-le jusqu'au bout. Essaye de te faire des points de sang, pas de réduire tes pipes et de réduire tout ce qu'il y a. Essaye au moins de jouer correctement. On apprend tous, hein, on a tous été noobs, hein. On a tous été hyper pourris, donc est-ce qu'il vient ici? Parce que je l'ai vu dans les alentours tout à l'heure, non c'est bon. On a tous été pourris, de toute façon hein, au pire en suture c'est pas grave. On a tous été pourris, franchement, on est tous passés par la case noob. Donc faut pas quitter pour ça. On a tous été nuls un jour, et on devient fort. Voilà. Voilà, ça va faire bientôt 3 minutes, donc ça va, il est pas dans l'excès de je vais quitter la game. Oula. Le coffre a été ouvert? Ouais. Bon, on peut se barrer. On est où ce légion que j'ai envie de jouer un peu avec lui? Il est où? Mais putain! Ouah, non mais j'espère que là sincèrement on va tomber sur un bon légion, hein. Bon légion. Un bon tueur, ça va me casser les couilles, hein. Je suis désolé de dire ça, hein. Putain, je suis tellement gonflé que la plupart du temps je cut ce moment-là du chargement. Mais là je suis tellement blasé! Entre l'autre qui sait pas jouer sa spirit, qui se TP n'importe quand... Qui sait pas se TP ou qui se TP uniquement pour revenir sur le coup pour focus. Et entre le légion en mode grosse tapette, parce qu'il a pas su gérer à mon avis son pouvoir et s'est cassé. Vous voyez, là franchement, je commence à voir les boules. Hein? De record d'une game en fin de soirée. Vous voyez, là j'aurais pu aller sur... Je sais pas, j'aurais pu me détendre sur un autre jeu. J'aurais pu me détendre sur un autre jeu, oui. J'aurais pu me détendre sur, je sais pas, j'ai quoi en ce moment. J'aurais pu me détendre sur un Naruto, tiens. Pour péter des culs. Mais non. Mais non. Il a fallu que je me suis dit, allez, on va se lancer des BD parce que je vous ai pas fait de vidéo des BD depuis un moment. Et ça me casse les bonbons. S'il vous plaît, une game normale, une game normale. Je te montre rien plus, s'il vous plaît. Pourquoi ça arrive qu'à moi les rage kits? Et quand je suis sûr, ça arrive qu'à moi de faire 3 survivants qui rage kits. Je vous ai fait en plus une vidéo où je joue un démon gorgon et il y en a 3 survivants qui rage kits sur 4. J'ai pleuré des larmes de sel toute la soirée, je vous jure. J'ai même eu du mal à dormir parce que je vois toute la détresse des survivants. Ils sont en train de pleurer et tout, et puis moi je me sens mal parce qu'on croit que je suis méchant. En fait, je m'en bats les couilles.
Et en plus j'ai changé de perso, je me suis dit que si je joue notre ami le Dutch, ça devrait passer. Voilà. Salut toi. Salut toi. Ça va toi? Tranquille? Tranquille la vie? Vas-y, ouvre. Oh non, t'inquiète, t'inquiète. Je te dis oui, tu peux l'ouvrir. Je te dis oui parce que tu peux ouvrir la boîte. T'inquiète. Alors, quelle tueur ça va être? Ah, s'il vous plaît. Non, putain, pas une nurse. Les nurses aussi, ça rage quitte. Ça, c'est pas TP, ça rage quitte. Oh non, c'est chiant, vas-y. Oh non, ah, je vais gueuler, hein. Je m'en fous, je vais gueuler, hein. Pas gueuler de rage, hein. Mais gueuler parce que j'en aurais ras le cul. Mais laisse-le tranquille, viens vers moi, salope. Mais non, mais laisse-le tranquille. Ouais, vas-y, allez, vas-y, ça me saoule. De toute façon, au pire, hein, si elle arrive pas à TP, elle va rage quitte, puis voilà. Et puis je vais devoir gueuler, ça va me saouler. Je suis ici. Ouh. Bon ok, on va faire un gêné. Putain, non. 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 Le chat ta gueule. Le chat ta gueule. Putain, le chat disparaît. Ah, merci quoi.